Bonjour, ici Martin Paquette, titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, autrement dit la CEFA. Cette année, le séminaire de la chaire en partenariat avec le Centre de la francophonie d'Amérique sera donné par M. Richard Marcoux du département de sociologie de l'Université Laval à partir du 7 septembre prochain. Bonjour, donc je suis Richard Marcoux, je suis responsable cette année du séminaire de la CEFA qui portera sur le thème « Des mots linguistiques et pluralité des réalités francophones ». Je suis directeur de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone et j'ai eu le bonheur cette année d'animer ce séminaire avec Martin Paquet. Cette année, le séminaire portera plus particulièrement sur le renouvellement des populations francophones dans les Amériques. Comme vous le savez, le renouvellement de ces populations se fait de plus en plus à travers l'immigration internationale. Ça va donc être l'occasion de regarder d'où proviennent ces immigrants, quelles sont les caractéristiques de la francophonie de ces milieux d'origine de nos immigrants. Et on pourra à ce moment-là vraiment examiner l'ensemble des potentialités d'insertion de ces populations-là au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Nous aurons l'occasion donc d'entendre Yves Frenette, qui sera le conférencier principal. Par la suite, les collègues de l'Organisation internationale de la francophonie, Alexandre Wolff, Nivid Khaled, de même que Francine Kemener, vont intervenir. Les collègues que sont Linda Cardinal de l'Université de l'Ontario français, Jean-Pierre Corbet, qui est professeur associé à l'Université Laval, Ibrahima Diallo également de l'Université du Manitoba, Anne Lévesque de l'Université d'Ottawa, Jean-Martial Kouamé, qui est maître de conférence à l'Université Félix-Houphouët-Boigny, Milena Santoro, qui est à Georgetown Université, Wim Remisen, qui est à l'Université de Sherbrooke. Nous aurons également l'occasion d'entendre Marco Micone et Victor Piché qui vont échanger lors d'une table ronde sur justement l'intégration des populations immigrantes au Québec. Les objectifs du séminaire sont de se familiariser avec les dynamiques démographiques et les enjeux sociolinguistiques dans l'espace francophone international. Le séminaire nous permettra également de dégager comment ces enjeux se répercutent sur les dynamiques linguistiques propres au Québec et au Canada, et plus particulièrement à travers l'immigration internationale, et ce, dans une perspective historique. Mieux comprendre la diversité linguistique qui caractérise de plus en plus l'espace francophone et se familiariser avec les différentes déclinaisons et particularités de la langue française à travers le monde. Enfin, on se proposera également de comprendre les enjeux, les défis ainsi que les rôles des différents acteurs et intervenants dans l'élaboration des politiques en matière linguistique et démographique. C'était rendez-vous.